Et du coup, elle va redevenir elle. Et pourquoi, en fait, genre... Et là, elle va retrouver ses parents et sa famille, non? Elle a embrassé ses ténèbres et donc elle a fini par finalement bah, les embrasser en soi et à régler ses problèmes, je pense. Ah bah c'est fini. What the fuck? Bon après le jeu était très beau pour le coup. J'adore le... la direction artistique. Ça fait très Zelda Wind Waker. J'aime vraiment bien le style graphique. Bon, du coup, on a résolu les problèmes psychologiques de toute la famille, quoi. Après, finalement, est-ce que tout ça n'était qu'un rêve? Est-ce que ça a réglé indirectement les problèmes? Je sais pas. Ça paraît bizarre, hein. C'est que ça. Sois seul à la solution. Et on va retrouver nos parents. Le petit frère, le petit chien. Quoi faire? What? Mais ça peut pas se finir comme ça! Ok, j'ai une autre hypothèse, comme quoi c'était qu'un rêve, elle était dans sa dépression et que pour résoudre ses problèmes, sa dépression, elle devait résoudre dans son inconscient tous ces problèmes qu'on a vécu, les différents désaccords avec son frère, les parents qui s'aimaient plus, le chien qui est décédé et qu'elle ne laissait pas partir, qu'elle aimait toujours, etc., etc. Je pense que c'est ça plutôt dans ce sens-là. C'est plus une sorte de dépression intérieure en fait, qu'elle combattait.